Eh bien, salutations tout le monde, c'est N27 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Avatar. Donc, durant cet épisode, nous allons faire donc les grands camps que nous avons ici. Nous allons clean ensuite les zones, tous les petits points. Je vais regarder ensuite si j'ai rien loupé. Et ensuite, nous irons faire ça. Vous voyez, le petit extraction qui est là, et le camp juste ici. Et après, vous voyez, là, nous avons un truc également ici. Et pareil, là-bas, ouais, je sais pas si vous voyez bien, mais nous avons des petits bâtiments. Voilà. Donc c'est le programme de la vidéo. On va encore clean bien les plaines, comme il faut. On va bien se maxer. Je vais regarder si j'ai pas des points de compétence. J'en ai qu'un, ok. Voilà un petit peu l'objectif de cette vidéo. Donc c'est encore de clean vraiment au max la zone dans l'optique de ne plus y retourner si possible. Vous voyez. Je pense qu'il faudra quand même qu'on y retourne parce que j'aurais oublié pas mal de trucs, mais bon. Entre ça et les quêtes secondaires que je n'ai pas faites, je vais avoir du taf encore, mais on avance. Bon, comme d'habitude, on va essayer de la faire en discret. On dirait une Cette sorte base. de mine. Pas seulement. Il y a également une carrière et une usine de traitement dans ce complexe polluant. Le bâtiment principal renferme une énorme centrifugeuse qui concasse le minerai. On s'est blindé. Je devrais manger un peu. Est-ce que déjà il y a des. Je suis à peine montré ma tête. Et ces putains de tourelles de merde. J'ai l'impression qu'elle me capte direct si à peine je me montre. Ah, c'est abusé. Dès qu'elle a le dos tourné, je saute. Putain de salope. Alors. Et qui est là. Merde. J'arrive à l'éclater. Je peux hacker le truc d'ici. Beaucoup trop loin. Pas étonnant. Me dites pas que je me suis fait repérer. Ah, me dis pas que je me suis repéré. C'est que ces trucs de merde de tourelle, donc. Je me dis que. Est-ce que ça compte réellement, ces merdes? J'espère pas. Ouais.
Ça me gave un peu là. On va essayer de la hack, voir un peu ce que ça fait. Ok. C'est allé te faire enculer, toi, non? Ah, génial. Génial. Ça casse bien les couilles, cette base. De minerais installés sur une carrière. N'importe quoi. Base à la con là. La centrifugeuse ne peut pas concasser le minerai sans ses conduites d'alimentation. Elle n'est pas autonome. Ça va me faire chier, je vais les tous les canarder si ça continue. La RDA est ravie de vous avoir assigné l'une des régions les plus luxueuses. Bah les couilles, tant pis. Hein. Ah si ça m'emmerde, je vais pas m'emmerder longtemps. Jack, t'as aucune portée avec ton BJJ, toi. Tu vois, c'est d'ici, tu dis, ah, je peux les hacker, les trucs. Tu peux rien hacker du tout. Hein. À l'instant, l'autre là-bas, elle est en train de me capter. Ah, ça a bien... franchement, ça m'a gavé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais toutes les détruire. Des traitements de minerais voilà. Installés sur une carrière. Et ça... On va pas me faire chier longtemps, cette histoire. La centrifugeuse ne peut pas concasser le minerai sans ses conduites d'alimentation. Elle n'est pas autonome. Là. Là. Là, si je le retire là-dedans. Ok. Je peux même pas les détruire. Je vais les prendre au coup de fusil à pompe. Je vais leur mettre des coups de pompe dans la gueule. Ah c'est bon quoi. Vraiment la base de merde. Allez c'est bon. T'inquiète. T'inquiète même pas. Hop. Va vite être réglé cette histoire. Ouais d'accord. Ouais d'accord. Même mon pompe il leur fait rien. Même mon pompe il fait rien. Minerai installé sur une carrière. Mon pompe qui one shot quasiment tout, tu sais, il fait rien. La centrifugeuse ne peut pas concasser le minerai sans ses conduites d'alimentation. Elle n'est pas autonome. À bout d'un moment, stop quoi. Bim bim bim. Ouais, chiant, de ouf. Ah ça me fume, hein. Franchement ça me fume. La RDA est ravie de vous avoir assigné l'une des régions les plus luxuriantes de Pandora. Profitez de ses richesses. Allez. Juste à côté, t'arrives pas à... avec la putain de tourelle de merde quoi.
Eh oh, je suis à côté, putain de ta race. Par contre, je peux hacker l'autre là-bas, tu sais. N'importe quoi, je te jure. Bien chiant. À tout le personnel de la base, nous attendons l'arrivée imminente de nouvelles recrues pour nous aider à lutter contre les nazis. Hop. Chiant, chiant, chiant. Même ici, les nazis peuvent toujours vous surprendre. Surveillez les hautes herbes, restez sur vos gardes. Qui va me capter ou il tourne pas assez, il tourne pas assez. Quel enfer quand même cette base. Oula. La visibilité est limitée aujourd'hui, tu as un temps orageux. Merde, je suis baisé. Allez, j'ai bien fait baiser. Ah ta race. Ça saoule. T'as pas envie d'y aller mais le truc il y va tout seul quoi, putain. Putain, là j'ai eu de la chance parce que je l'avais pas envoyé. Menace imminente. Je check la zone. Y'a que rien du tout. J'en sais même pas où t'es. Il est dans son bâtiment, détente. Ça pour rien au final. Va falloir que je fasse encore cette merde deux fois. On va s'amuser. On va bien s'amuser, tiens. Tourelle encore. Bien, 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 bien chiant. Ok, bon. On pourrait passer par là après.
Je sais pas ce que ça va faire, le hackage là, mais on va voir. Ah, ça le jus, ça le stunt. Ok, c'est pas fou quoi. Ouais, c'est pas dingue. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Si je pouvais le one shot là. On va la hack. Je vais aller là-bas. Vas-y. Quoi tu... Ça me fume ça. C'est un truc de fou quand même. Ce truc de piratage là. J'espère que j'arrive à temps, impeccable. Ok, j'ai la tourelle là-bas qui me tire dessus, je sais pas pourquoi. Il est où l'autre? Parce que si je repars vers là-bas et que... Allez, ciao. Et de 2. Eh, la base, elle est niveau 19, là, je suis en train de capter. Tu m'étonnes que c'est un truc de connard. Je me prends 2 balles, je me fais éclater aussi. Lui, il va me capter. Anti-aérien, ça.
Dis avec la fumée. Allez hop. Tu m'as pas vu toi la tourelle en bas, s'il te plaît. Voilà, merci frère. Laisse-moi désactiver déjà quelques tourelles. Allez, dépêche. Quelques tourelles ici. Donc j'ai elle qui me target le cul à mort. Dis-moi que c'est bon. Tac tac. Allez, remonte. Ok. Encore une fois, tu veux pas y aller et tu amènes. Ça me saoule ces machins là. Où... Quand tu vas aller à une zone, t'amènes pas où tu veux. Putain. J'ai pas demandé d'aller là-bas, putain de toi. Allez, je t'ai pas demandé d'aller aussi loin. Heureusement que je suis dans un spot où je peux être tranquille. Je te fais retour en arrière. Non, non, toujours pas. Non. Quel calvaire. Quel calvaire cette base. Plus jamais. Évacuation en cours. On est dans les airs. Prêt pour évacuation. Ah, plus jamais cette base. Des bases comme ça. Ouf. Bon, c'était une base niveau 19 quand même. Hein. Ils n'ont rien vu venir cette fois. Ouais, comme à chaque fois quoi. Un fusil à pompe sublime là par contre. Là par contre. J'ai bien fait chier mais... Je suis récompensé. Ah, et pantalon sublime aussi. Enfin, bottes plutôt. Alors. Fais-moi voir un peu ces bangers. Mon pompe fait 190, les fait 240. Vas-y. On va mettre le mode. Non. De toute manière, il a déjà les modes activés. Automatique. On va mettre les boots. J'avais des trucs à 60, là j'ai des trucs à 169. Je crois que c'est un peu mieux. Niveau vie. Énergie. Gaflon et flore. J'ai ouais, bof.
Toujours qu'un point de compétence. Ok, bon. À cette épée là. On va revenir à la base là qu'on vient de déverrouiller. Normalement, j'aurai de nouveau des trucs à récupérer. Qui seront pop. Pas encore. On va faire les petites choses autour. Pas très grave. En attendant. En tout cas, j'ai un fusil à pompe là. Faut que j'aille m'acheter le mode après. Ok, c'est ça, c'est la base. Alors, touk touk. Que ça avait pas marché. On va voir le dépôt, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est juste un dépôt d'armes, ça, je suis bête. Juste des dépôts d'armes, rien de plus. Ah, on n'y craint ni la faim. Régale-toi. Ah là. Voilà, impeccable. Ok, bon. Je vois rien de très particulier, on va juste voir comme ça. Ça y reporte, il retourne en haut, lui. Tu me largues dans la merde, mais par contre, Allez, va envole-toi. où je voulais que tu me largues. Foiré de merde. Je pense qu'il doit avoir des trucs quand même cachés dans par là, quoi. Ça paraît très bizarre sinon. Nous ne pouvons pas gagner à tous les coups, hein, Tempête? Ah là là, putain, c'est blindé d'hélico de merde. Faites chier, les gars. S'il y a quand même des trucs. Juste au-dessus, juste en dessous. Y a bien des trucs à trouver, quoi. J'ai bien fait d'y aller. Peut trop facilement louper des trucs dans le jeu, quoi. Je fouille pas un minimum. Bon, vas-y, on va aller là. Déjà, j'ai envie de voir un truc. On peut aller. Qu'est-ce déjà, c'est la fin de la map vers là-bas ou. Je pense que c'est. Fin de la map. Quelque chose t'a fait peur? Voir un peu si je dézoome. Ça paraît vu.
Ouais, je pensais à la fin de la map, ça. Le gros blanc comme ça. J'ai sûr. Gros nuage blanc. Putain! Oh. Stop Hop, toi. pas par là, ok. Ils ont du bon ce truc là. J'irais bien moi quand même. Mais costaud le bougre là-bas. On a besoin de moi ailleurs. Oh ouais, c'est pas grave, attends 2 secondes. Faut juste récolter. Merci pour ces cadeaux. J'espère qu'ils me les ont donnés quand même. Et te mettre des bestiaux avec du gros stuff leg, enfin des ressources leg, tu sais. Calme-toi, Et dans tempête. une zone où tu On peux va pas y partir aller, là. tu sais. Ah ouais, mais bon. Je crois que les joueurs ils vont pas vouloir buter une créature qui te donne du leg. Au bout d'un moment. Si quoi. Ok, bon là par contre c'est en bas. Ok, je crois que c'est une bise flûte. Ça m'a l'air d'être ça. Le truc là-bas, là, il a pas encore. Enfin, la nature n'a pas encore repris ses droits. On va pouvoir récupérer pour l'instant les ressources. Toujours là pour faire chier. Hein. Laissez-moi. Être un truc pour Iclan. Allez, on va dire qu'on va ici. Bon, allez, visiter là-bas. Je sais pas si on va trouver quelque chose, mais... l'air. Ah, bon, ça c'était sûr, je m'en doutais un peu. On va allonger hein, et puis bon. Quelque chose t'a fait peur? La vie. On voit plus rien dans cette zone. Ouais, bon. Je pense que là je pense que là on a fait le tour quoi.
Parce qu'on a fait le tour. Par contre, hop, ça fait assez longtemps que je suis parti pour que les tiges cloques on pop là-bas. On va se TP. On va faire les deux tiges cloques et après on va aller sur les autres bases. Viens là, toi. Voilà, nickel. Bon. Alors, je vais regarder si j'ai rien loupé, mais je pense que j'ai tout cul. Et vous voyez là? Le bâtiment que j'ai pas vu. Ouais, c'est ça le truc, hein, c'est que le jeu il est un peu fourbe quand même, hein, parce que si on fait pas attention, on peut louper des bâtiments comme ça. Donc bon. On peut avoir un œil sur la map et regarder assez régulièrement quoi. Allez, viens là, tempête. Là, t'es dans ton élément là. Ça. Ouais, c'est le totem Salento que j'ai fait ça. Vu que c'était un truc qui m'avait remis quoi. J'avais pas vu. Ils vont venir me faire chier eux. Changer. Là, il y a pas mal de trucs ici. Pas mal de trucs, dis donc. Personne qui veut parler. Vas-y, un gros. Oh, sérieux? Oh, lourd! Oh, le putain de spot! Oh là là, la bombe! Là, je viens de me faire 3 points de compétence en fait, là. En 2 secondes. Ah, bah oui. Qu'est-ce qu'ils veulent du coup pour la quête? Là, attendez. J'ai 12. J'ai toutes les compé. Pour le défi, c'est quoi? Souvenir ultime, second souffle.
Défi du prédateur. Défi du prédateur. J'ai pas le défi. C'est bien parce que tu leur demandes de te mettre le truc, mais ils te le mettent pas. Défi du prédateur, il y est pas. Bon, on va quitter. On va remettre le menu. Le jeu capte que j'ai acheté la compétence, que j'ai tout. Défi du prédateur. Et si c'est nation parfaite des deux créatures suivantes, loup vipère enragé. Oh non, oh, ça va ça. Par contre, pas l'élimination parfaite. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc, bon, à voir quoi. Ah, la surprise du chef. Ah, là, il y a un camp là. On vient de capter qu'il y avait un camp ici. Donc bon, faudra y retourner. Vas-y, on va se jeter dans le vide. Allez vous faire foutre un peu, non? Une bise flûte. Nickel, rapide, efficace. Ah. Hop. Allez, ciao. On y va, tempête. Et du coup, la base elle est là. Et je suis content là, les 3 points de compé là. Ça m'a mis bien, ça m'a mis vraiment bien. Meilleur spot. Y a pas de débat là. Franchement, 3 points de compétence comme ça là, en 2-2, c'est cadeau. Clairement le meilleur spot que tu peux trouver. En 3 points de compétence gratuits là. Là c'est clairement gratuit. C'est un truc par là. Quête non suivie, mise à jour, redémarrage système. Ah ok. C'est les putains de balises, sûr. Non? Sûr c'est ça. Ouais c'est ça. J'avais complètement oublié ces quêtes de merde là avec les trucs là. J'en ai trouvé un là juste en face. Hop, de une. Hop, là-bas il y a la deuxième. Je sais pas combien il y en a, vu que j'ai pas mis la quête. Deux.
Quel moment drôle ça. Oh, putain là-bas, j'en ai vu un. Ouais, les collectes de données en fait, c'est des trucs que j'ai jamais fait en fait, que je fais jamais. J'avais complètement oublié cette quête. Alors, il est où le pot? Résine d'arbre. Bah, j'ai pas. Désolé les gars. On va dire qu'on va là-bas. Pour enlever un petit peu les nuages de la zone. Après peut-être du coup je pourrais aller où je voulais à la base. On a trouvé des bons petits trucs, voilà. On a trouvé, on a fait des petites quêtes secondaires, des lieux. Arrête de bouger, toi. Ouais. Attends, il arrive bien quand même là-bas. Dommage qu'on n'ait pas un truc pour enlever la le nuage plus rapidement quoi. Parce que là, se diriger comme ça. J'arrive pas à voir. Vous êtes quoi là comme créature là? Ok, Balek. Ça m'intéresse pas. Ah voilà, là-bas il y avait bien un truc à récolter quand même. Ouais, c'est. Tu peux facilement louper des trucs hein, dans le jeu. Heureusement qu'il n'y a pas un succès pour tout récolter sur le jeu quoi. Explique la. On galère sinon. Los Sonic jaune. Bon. Accru. Bon. Vas-y, on va dire qu'on va là dans le champ. Mais je pense que ouais, là on a plutôt bien clean la map là. En tout cas, c'est dans les plaines. La map en tant que telle non, mais les plaines oui. Tu as faim, hein? Ouais. Ah c'est pas mal là, ce qu'on a fait. Bien avancé, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le camp. Okay. Ok. Bon. On va voir les champs quoi. Là, pour l'instant je vois rien. Il doit rien avoir du coup. Il n'y a pas de truc violet donc si c'est pas violet. Ok. Bon les points bleus, bon c'est que des trucs que je dois cueillir et donner au clan.
Donc voilà. Par contre, peut-être des quêtes. Camp de chasse. Ça, je sais pas ce qu'il faut faire. Des camps de chasse, j'ai pas compris. Ouais. Ok. Ah là, il y a un truc que j'ai pas fait typiquement. Vous voyez, tac, tac. Donc. Déjà deux trucs que j'ai même pas le point. C'est pour ça que je vous dis le jeu, putain, on peut trop facilement louper hein. Des trucs hein. C'est vraiment trop simple de se faire baiser quoi. Surtout qu'au début tu sais pas que tel truc et tel truc, tu penses que le jeu il va te les marquer, en fait il te marque rien tant que t'es pas dessus. Si toi tu y vas pas. Le jeu te fait pas de cadeau, hein, il va pas te le dire. Hein. Salut les gars. Qu'est-ce qu'il vous faut à vous? Un truc que j'ai pas, Rosso du Canyon. Bah c'est même pas, je sais très bien que je l'ai pas. De toute manière, j'ai des trucs, y a personne qui les veut. Et quand je les aurai plus, tout le monde les voudra. La base. Faudrait quand même que j'aille par ici. Avant, voir. Sais jamais. Et typiquement, vous voyez, il y avait un truc derrière moi. C'est quoi ça aussi? Ah, ça m'a l'air d'être un cerf-volant, c'est ça. Bien cerf-volant. Oh mon Nicklan. Viens là mon copain. Bing, 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 bing. Ah bah, je pensais qu'il allait y avoir qu'un truc. Final, totem, salen, tout. Là le truc là-bas. Quand je vous dis que on peut louper à mort de trucs. Là, c'était le totem qui montre, je pense. La bise de flûte. Là, je pense que j'ai bientôt fait toutes les bises de flûte de la zone, par contre. Je vais regarder le succès, combien il est 2%. Juste après ça. Je pense qu'il n'y aura rien d'autre après en face. Je vais jeter un coup d'œil quand même par curiosité, mais je pense qu'il n'y On y aura va, rien. tempête. On va regarder, hop, alors succès, bise de flûte. 77% du succès hein, des bises de flûte. Hein. Pas loin de la fin quand même, pas loin. Et là, vous voyez, j'ai encore une base que j'ai pas récupérée. Voilà quoi. Voilà Ça quoi. fait peur. Et dites-vous que je dois aller dans la zone, que je sais que je dois faire un truc. Sauf que depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher. Je tombe que sur des trucs que j'ai pas vus. Un autre totem. Le Allez. pont. Il me dit d'aller où? D'aller en face. Et lui il me dit toujours d'aller en face. Pas où ils veulent qu'on aille, mais... Un petit peu chiant ça aussi. Hein. Pas vous mentir, je déteste ces trucs. Ça me rassure, je suis pas le seul. Mon pote, il m'a dit, ça lui saoulait aussi.
dernière fois que je l'ai eu. Il m'a dit ouais, j'arrive pas à le trouver, le celui qui est là-bas et tout. Je fais bah ouais, bah t'inquiète, hein, moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Là, ils veulent que j'aille vers là-bas. Tac. On va passer par là. Lui, il te dit d'aller ici. Manière, il va me faire monter, hein. Un peu de hauteur parce que là je sais pas si je suis au bon endroit. Bon, lui il dit de venir de continuer par là quoi. Moi je veux bien mais. Voilà. Il me dit de passer par là. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Ok. Juste là. J'imagine les voyageurs Sarentu se rassemblant ici pour attendre la fin d'une tempête faisant rage dehors. Ils se seraient rassemblés autour d'un feu et auraient partagé des histoires d'autres clans. Ces histoires voyageraient encore plus loin, portées par ceux qui les auraient entendues. Combien d'histoires ont été perdues et oubliées depuis la disparition de notre clan? Parviendrons-nous à les retrouver et à les raconter de nouveau? Ouais, faveur de clan. Ok, bon. On va faire ça. Ouais, moi je suis pas fan, hein, des trucs Sarentu là, franchement ça me saoule un peu de chercher. Machin là. Enfin, ça va, au final j'ai réussi à le trouver rapidement, mais il y en a certains. Pas la même quoi. Et après, on ira là-bas. Hein. Pas que j'oublie. Colosse Sonic Vétéran. Oh, attends, viens là, toi. Reviens là mon copain, arrête de te barrer. J'arrive pas à lui mettre dans la... devant en plus. Je sors de l'eau avant de vouloir m'attaquer, fils de pute. Voilà. Bah donne-moi. Merci pour donne-moi ça. Plein de bonnes choses. Entre du coup, je viens de trouver une image.
Je sais pas où elle est exactement. Et je viens de trouver un truc. Ok, elle est là. Ah, c'est abusé, hein. Là, j'aurais pas canardé sur lui. Je serais passé complètement à côté. Bon, par contre, ça, j'aime pas non plus. C'est assez chiant. J'ai vraiment l'impression de faire les cairns dans Assassin's Creed Valhalla. Board, là. Truc c'est surtout que c'est long en fait. Amy tu le fais 2-3 trucs quoi, là c'est à chaque fois ça dure en longueur quoi, c'est. Je sais pas l'intérêt de faire un truc comme ça quoi. C'est pas non plus. C'est pas ultra fun quoi, tu le fais 2-3 fois, allez, stop quoi. Ah t'en as 150 quoi, c'est comme les cairns quoi dans Valhalla quoi. C'est bon quoi, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, vous avez mis un truc. Et non, faut que tu le fasses 35 fois sur chaque map, tu sais. Là, le mec il me dit je me régale à bouger deux trucs pendant 5 minutes. Je comprends pas trop. Relaxant, hein, je veux bien avec la petite musique et tout si je parlais pas, mais bon. Voilà quoi. Pas aussi long quoi. Des plaines supérieures est façonnée par le vent. La terre, les arbres et même la roche plient sous les rafales incessantes. Et pas seulement. En y réfléchissant, toute la culture zessoa, leur vie, leurs souvenirs et leur histoire suivent la direction du vent. Comment les autres clans peuvent le savoir si les Sarentu ne sont plus là pour leur dire? Ouais, ça, si... Encore une fois, hein, si tu fais pas gaffe, je serais passé à côté. Tu peux trop passer à côté de le moindre petit truc, tu peux le louper en fait. Là, typiquement, là-bas, là, j'ai pas zioté là-bas. Je suis sûr, là, y a un truc. Au final, on n'aura fait qu'une base. On aura fait beaucoup d'exploration. Là, j'ai un camp. On va remettre le jus. L'avantage, ça c'est toujours pareil. Tac. Ok, il y en a un ici. Ok, j'en ai vu un qui était là-bas.
Donne-moi les 5 pièces détachées. Personne qui m'appelle ici dans ces trucs. Baf. Donc on va aller faire le camp. On va voir ce qu'ils ce qu'ils veulent. Le vent nous portera, ouais, j'en suis pas loin. Avec les bises de flûte. Déjà récupéré aussi deux cerfs-volants perdus. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Ah oui, c'est le sud de la quête. Oui, je l'ai déjà fait. Je le voyais pas marqué, du coup je me posais des questions, mais c'est celui de la quête justement où il te dit que t'en as plein à faire quoi. Arc lourd venimeux de Solali. Cours. Arc long venimeux de Kitagni, c'est pas le bon. Mais du coup j'en ai pas. Eh, c'est bien. C'est bien. Allez, on va regarder vite fait. Normalement. Normalement j'ai pas loupé un truc, je pense. T'as pas quoi? Loupé un truc? Et ça c'est quoi? C'est quoi mon salaud ça? Tu n'as... Chut, c'est toi. Ferme ta gueule. T'as loupé des trucs. Bah oui, hein, j'ai loupé des trucs. Hein. Évidemment. C'est nimp. Hein. C'est abusé. Le nombre de trucs que j'ai loupé... Et pourtant, dans cette zone, j'ai mis du mien quoi, j'ai fouillé un peu, mais non. Et dites-vous qu'après, je vais re-regarder et j'aurai encore des trucs que j'aurais pas vu. Il y en a qu'un. Alors, il veut pas. J'ai plus de demandes sur les ordis. Alors, bon, voilà, typiquement. C'est-à-dire, bon, j'ai loupé des trucs. C'est où maintenant que je dois aller, tu vois. Ah, m'aura fallu une demi-seconde pour trouver une zone que j'avais pas faite, typiquement. Voilà. Vous en doutez bien que durant cette vidéo, on va pas faire l'autre camp, hein, du coup. Hein. Comme c'est parti. Rien. Et je sais pas si j'irai bien après derrière là-bas quand même. Je sais pas. Je sais pas s'il y a quelque chose ou pas quoi. Petite musique qui va bientôt.
Salut les copains. Vous voulez des trucs que je n'ai pas encore? Alors, des algues. Si, j'ai. Oui, pour une fois, j'ai un truc. Pour une fois. Ah, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, regarde, tac. Pour rien. Ok. On est bon. C'est bon là aussi. Pense que j'ai tout fait dans la zone. Je pense que je suis plutôt pas mal quoi. Ça niveau 20, faudrait que je le fasse. Que je me tape maintenant. Ah là, il y a un truc là. Ici. Il y a un truc que j'ai pas fait. On va y aller. Normalement, je devrais avoir un point bleu. Heureusement, c'est pas loin. Dans le coin. Dans le coin. Mais ouais, il y a un truc là. Typiquement là, la flèche là. Vous voyez la flèche? C'est typiquement là, celle qu'il y a ici, vous voyez. C'est la même, dépôt de ravitaillement ou un truc du genre, vous voyez. Je sais pas. Normalement, devoir avoir un dépôt, un truc du genre quoi, dans le coin. Avoir un truc du genre quoi, mais. C'est vrai que c'est que moi je vois rien là actuellement. Eh ben là, vous voyez, promontoire de l'Alliance, ah, ok. Ouais, mais ils me l'ont montré quand même. Ok. Bon là, il me manque un truc, hein. Là, ça je le sais. Ça aussi, je sais, c'est la zone où moi, je voulais aller que là. On va faire celle-là. Là, il y a le caillou, il est plein. Ouais, on va faire ce petit truc. Je vais après m'acheter le mode pour le fusil à pompe dans la résistance. Mode leg. Chargeur grande capacité normalement. Du coup, je devrais avoir plus que 5 munitions dans mon arme. Ça devrait bien me mettre. Et voilà. Allez. Allez, envole-toi. Et on aura bien avancé, mine de rien. Sur des petits trucs à la con, mais au moins c'est fait quoi. Des foreuses laser. Elles pulvérisent la roche pour atteindre les ressources. 1, 2. Surtout que je peux là les buter maintenant, je suis.
Je suis en mode easy maintenant. Le perso. Et encore, j'ai pas tout maxé, mais. Ah, pourquoi faut que je recharge, putain de ta race? Le salaud. Le gros coffre, il est où? Puisqu'il est le coffre. Celui-là, c'est pas celui-là. Et là-bas, le jaune. Nickel. Allez, on va là. Jamais je m'arrête. Bon, je fais ça, j'arrête. Une heure après, bon, vas-y, je fais celui-là et j'arrête. Hein. Ok, vas-y, je fais ça et j'arrête. Ouais, bah non, en fait, tu t'arrêtes jamais, mec. Problème de ces jeux, j'arrive jamais à m'arrêter. Hein. Heureusement que... Enfin, heureusement. Non, pas heureusement, mais... Il y a l'air un peu de temps en ce moment, du coup, je peux pas jouer autant que je veux, mais... Mais bon... Il est où le laboratoire là? Je le vois pas trop. Ok. Alors. Accorde-moi ça déjà. Allez. Toujours pas l'ordi. Bon, vas-y, on va faire ça. J'espère que vous avez pas entendu. La voiture qui vient de passer. Abusé. Parce qu'il est passé. Ça faisait un boucan pas possible. Et c'est pas la mienne, parce que la mienne, ça fait 5 mois que je l'ai pas utilisée. Depuis la balade qu'on avait fait avec mon pote quand il a eu sa GT3992. Depuis, je l'ai pas utilisé ma voiture du week-end. Donc bon, ça saoule un peu. Mais bon, pas trop le temps. Bref, du coup... Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est là. On va voir si c'est bien ici que je voulais aller. Normalement, oui.
Oh non. Ah non, là c'est l'arbre. Clairement pas ici que je voulais aller. Ah bah oui. C'est juste. En fait, c'est juste là quoi. Je suis allé à l'arbre alors que je voulais pas du tout y aller quoi. Quoique à l'arbre, faudrait quand même que j'aille chercher les activités. Faudrait que j'y pense et y retourner aussi quand même. Beaucoup trop de choses à faire pour l'instant. Complètement perdu. Bon, sol heck. Je sais que c'est pas à toi que je dois acheter. Service que j'ai trouvé pouvait t'aider. La langue des humains, leur ordinateur. Tu comprends toutes ces choses, non? Bien sûr. Tu cherches des pièces d'ordinateur? Non, des informations, des noms, des lieux, comme ce que tu as déjà trouvé. J'ai entendu des rumeurs. Des soldats de la RDA qui ont survécu à la bataille des montagnes, Alléluia, ceux qui ont détruit mon clan, seraient de retour sur Pandora. À d'autres endroits, à d'autres postes. Trouve-les pour moi et je me charge du reste. Je te donnerai tout ce que tu veux en échange. Okay. Voici ce que j'ai à te proposer. Arc lourd électrique de Solek. Attention. Inflige 30% de dégâts supplémentaires quand votre santé est inférieure à 40%. Ouais, mais c'est pourquoi? Pour quel? Ah, c'est pour propulseur de lance, ok. Arc lourd, augmente la vitesse de déplacement pendant 10 secondes après avoir touché. Une attaque après une glissade, morque arc long, arc lourd. Celui-là il est beau, il est sexy celui-là, franchement. Vas-y. Fais péter. Reste toujours. Comment te dire que niveau dégâts, il n'y a plus rien à voir le truc. Sur tes gardes. L'autre, il doit être par là, je pense. Ah ouais, l'arc là, il est mignon comme moi, quoi. Loul. Tu viens te ravitailler? Ouais, tu sais, toi, tu m'avais vendu un pompe. Et après, tu as amélioré ton stock. Bon, sauf que maintenant j'ai la meilleure pompe. Par contre ça, il est où? Et t'es où ton truc là, ton chargeur? Augmente la capacité du chargeur, augmente les dégâts de 15 sur la RDA, c'était sûr. Ben je vais te prendre ça mon... Et je vais te prendre ça. Voilà. Et n'oublie pas. Ouais, non, t'inquiète, j'oublie pas ce que tu veux. De toute façon, on s'en bat les couilles. Ouais, le mien, il faisait dégâts RDR et flore. Restaure la vie. Là, augmente la taille du chargeur. Et en plus d'augmenter la taille du chargeur, le bordel, il fait des dégâts à la RDR en plus. Voilà, de 5 balles, je suis passé à 10 sur le pompe. Comment te dire que c'est une dinguerie? Ah ça c'est... Putain, y'a que mon arc long quoi qui est pas dingue. Qu'est-ce que tu veux toi? Je suis un peu occupé là. Tu travailles sur quoi? Je construis une sorte de mémorial pour tous ceux qu'on a perdus. Je suis désolé. Il fallait que je fasse quelque chose de toute cette tristesse. C'est une très bonne idée. Tu as besoin d'aide? Du joli bois pousse dans cette région. Selek m'a aidé à m'en procurer. Je fais des étagères pour y mettre des photos et des souvenirs. Selek m'a parlé d'un nectar spécial qu'on utilise pour fabriquer des petites lanternes. Si tu pouvais m'en trouver, ça serait super. Je comprends mieux. Selek est déjà en train d'explorer la forêt embrumée. Oui, apparemment on en récupère sur des fourmilières. J'espère que t'en trouveras. Enfin bref, je dois retourner à mes mesures. Pas de soucis. Il me faut toujours cette résine de sève. Ouais, t'inquiète. Il y a deux, trois... Deux, trois trucs là que je dois récupérer aussi. Ah, c'était lui, je voulais voir. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui?
Il me faudrait ça. Faudrait un meilleur torse. Dégâts des armes à feu. Des fusils d'assaut, non. Augmente la capacité en munitions spéciales. Des fusils à pompe. Dégâts des fusils à pompe. Mode de bas. Les réserves MP. C'est mignon ça, hein, putain. Portée de pistage augmentée de 10. Ouais, bah ça, oui. Ah oui, sur les gants, je vais te le mettre. Ouais, ça, je t'achète, mec. Mode des gants. Parce que je me plains assez que la distance, elle est trop courte. Voilà, si je peux pister de plus loin. Ah, bon, bah, du coup. Avoir fouillé, avoir fait plein de trucs, bah ça paye, hein, voyez, je peux me faire bien plaisir. Donc ouais, c'est cool. Hop, on va se TP là, et prochaine vidéo, on va faire ça. Ah là, c'est bien, là, on s'est bien mis, là. Ça me plaise. Voilà. Est-ce que j'ai des points de compé? Non. Rien du tout. Par contre, c'est, je vais mettre dans quoi? Fabrication, chasseur. Chasseur, il y a quoi un peu? Comme compétence. Là, tu as compris, vous êtes difficile à détecter. Vous ne faites aucun bruit. Là, c'est accroupi. Ingrédients de cuisine obtenus. Un effort avec des arcs ou propulseurs. Point faible. Ok. Miner discrètement des ennemis dont les points faibles bénéficient d'une protection. Ok. Là, c'est tous les trucs de lance. Aucun bruit. Ça. Quand votre âme est rengainée, devenez présence pacifique aux yeux des animaux sauvages et non des non-prédateurs. Ok, ouais, bon. Fou ça, je vous avouerai. Ils sont désormais plus puissants, les nouvelles armes en plus de dégâts. Nourriture augmentée, ouais, ça peut être pas mal. Animation, endurance. Ok. Bon, de toute manière, faut que j'achète 3 compés pour le succès dans chaque truc, donc on fera ça. Compétences des ancêtres, je suis à 8 sur 12. Pareil, hein, il va falloir que je commence à regarder pour les déverrouiller. Voilà, bah, écoute, prochaine vidéo, déjà, on va finir de clean cette zone. Bien comme il faut. Vous voyez. Ensuite, si j'ai le temps, je ferai ça dans la prochaine. Il est temps que je fasse cette base pour avoir le. Une connexion avec l'arbre. Et bon là, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore ça. Il y a ça. Donc, il y a encore un truc ici. Enfin, il y a... Je pense que déjà, si la prochaine vidéo, je fais cette base et cette base, c'est déjà beau, je pense. Après, il y a encore tout ça à faire. Ouais, je... non. Ouais, là, ce serait optimiste de faire quand même dans l'autre vidéo, la base en bas. La prochaine, donc ouais, non. Ça va être chaud. On va déjà faire ça. Déjà ça. Bon, on va arrêter la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, bah nous, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Dans la description, vous avez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire qui est une chaîne automobile que je fais avec mon ami. Les vidéos sont disponibles en 4K. Et pour faire un petit teasing de ce qu'on a posté actuellement comme vidéo, il y a de la BMW M2, de l'Honda S2000, de la Nissan 370Z, de la Porsche 911 GT3 992. Les toutes dernières Porsche et plein d'autres choses qui arriveront par la suite. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description si vous aimez l'automobile. Et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. C'était N27. Allez, ciao tout le monde, bye.